Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons aujourd'hui comme sujet de retrouver un antécédent par le calcul dans une fonction affine. On est ici dans le chapitre sur les fonctions affines. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a le lien vers la petite vidéo sur les fonctions affines qui se met normalement juste au-dessus pour que vous puissiez comprendre ce que c'est qu'une fonction affine. Et donc aujourd'hui, on va se poser la question, on va prendre un exemple hein, qui sera peut-être plus parlant, soit la fonction f de x égale 3x plus 5, donc une fonction affine, elle est bien de la forme ax plus b, et on va voir ensemble quels sont les antécédents du nombre 2. On a vu dans les anciens chapitres sur les fonctions comment retrouver des antécédents dans un tableau de valeurs, dans un graphique, mais on va voir que pour les fonctions affines, ça a une consonance particulière, puisque nous allons voir que ça nous ramène à une équation. Alors, déjà un petit rappel sur ce que c'est que rechercher un antécédent. Donc, on va partir d'une fonction affine. On va partir d'une fonction affine. Hein. Ici, la fonction affine, c'est f de x égale 3x plus 5. On a bien le nombre a qui est égal à 3, le nombre b qui est égal à 5. Et on nous demande les antécédents du nombre 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les antécédents du nombre 2 ? Ça veut dire qu'on a trouvé 2 comme comment dire 2 comme image par la fonction. Et cette fonction f de x égale 3x plus 5, donc elle a transformé un nombre, le nombre x, ce qu'on appelle l'antécédent. Le nombre x a été transformé par la fonction pour tomber sur le nombre 2 comme image. Et nous, le but aujourd'hui, ça va être de retrouver quel peut être le nombre x qui est ici. Alors, comment nous allons faire pour retrouver cet antécédent? Ce que l'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va écrire que ce nombre x, on va lui appliquer la fonction f, donc on va écrire f de x, ça va être l'image du nombre x. Et on sait que l'image de ce nombre x doit être égale à 2. Ça, c'est une égalité qu'on a l'habitude d'écrire avec les fonctions, et que donc on le retrouve ici, f de x égale 2. Ce que l'on va faire, c'est que dans cette égalité, on va garder le égal, hein, pour que ça reste bien une égalité, on va garder le 2, mais cette notation ici, f de x qu'on retrouve ici, on va la remplacer par l'expression algébrique de la fonction, 3x plus 5, et donc je remplace f de x par 3x plus 5. Si l'on regarde ce que ça nous donne, ici, eh bien nous avons ici écrit une équation. Donc tout simplement, quand on va essayer de retrouver un antécédent par le calcul dans une fonction affine, ça va nous donner une équation assez simple à résoudre. Alors comment on va résoudre cette équation? Je rappelle qu'ici on va vouloir éliminer le plus 5, et donc on va faire moins 5 de chaque côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire une ligne quand même. Donc 3x plus 5 égale 2. On va réécrire qu'il faut enlever 5 de chaque côté. Cela permet d'éliminer le plus 5. Une fois qu'on a éliminé le plus 5, il nous reste dans le membre de gauche 3x. Dans le membre de droite, il nous reste 2 moins 5. On calcule, ça fait moins 3. On divise par 3 de chaque côté, ça permet d'éliminer la multiplication par 3 qu'il y a ici, et il nous reste x égale moins 3 divisé par 3, ce qui fait moins 1. On a retrouvé notre antécédent, et l'antécédent du nombre 2, c'est le nombre moins 1. Alors on peut le noter de cette manière, avec les notations sur les fonctions. Le nombre moins 1, c'est l'antécédent, et il a pour image 2. Alors je vais résumer un petit peu ce qu'on vient de se dire. Première chose, on écrit la relation entre le nombre cherché et son image. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Deuxième chose, on remplace f de x par son expression algébrique. Hop, je vais faire un peu de place. Voilà.
Donc on remplace f de x par son expression algébrique ici. Troisième chose, ça nous permet de faire apparaître une équation. On a ici une équation. Cette équation, on va, évidemment, maintenant on a l'habitude, résoudre cette équation. Ça nous a permis de trouver le nombre x cherché et d'écrire là le résultat avec la notation des fonctions que nous avons l'habitude d'utiliser. Alors petite remarque, on marquera que du coup, par une fonction affine, eh bien, nous n'avons qu'un seul antécédent. Nous n'avons qu'un seul antécédent pour les fonctions affines, sauf dans le cas particulier les fonctions constantes, mais on les utilise très peu, parce qu'elles n'ont pas d'intérêt mathématique, enfin, peu d'intérêt mathématique en tout cas. Donc les fonctions affines n'ont qu'un seul antécédent, puisque dans l'équation, eh bien, dans une équation aussi simple, nous n'avons qu'une seule solution. Donc souvent, on va trouver qu'une seule solution, sauf pour les fonctions constantes. On va faire un deuxième exemple. Donc ici, c'est quel est l'antécédent de 9 par la fonction affine g de x égale 4 tiers de x moins 5. Donc je voulais faire un exemple où nous avions une fraction, pour se rappeler un petit peu la technique pour résoudre une équation qui contient une fraction. Donc 4 tiers de x moins 5. Alors tout d'abord, non, on va écrire que g de x est égal à 9. On cherche bien le nombre x tel que g de x est égal à 9. On remplace g de x par son expression algébrique. Donc 4 tiers de x moins 5 égale 9. Ici donc petit rappel sur comment on gère une équation dans laquelle on a des fractions. On va essayer de faire disparaître ces fractions. Donc tout simplement, ici, on va multiplier par 3 tout le membre de droite. Je dis bien tout le membre de droite. Si on multiplie par 3 à gauche, on doit multiplier à droite par 3 également. On utilise la distributivité ici pour multiplier par 3. Donc ça va faire 3 fois 4 tiers de x. Donc, c'est tout le but, c'est que les 3 s'éliminent. Moins 3 fois 5 égale 3 fois 9 qui fait 27. Cela nous donne une équation qui est 4x moins 15 égale 27. En multipliant ici par 3, eh bien nous avons réussi, en multipliant ici par 3, nous avons réussi à faire disparaître la fraction dans cette équation. Donc maintenant que nous n'avons plus de fraction, eh bien, on peut résoudre cette équation. Ici, on ajoute 15 de chaque côté. Pourquoi ? Parce que l'addition par 15 permet d'éliminer la soustraction par 15 dans le membre de gauche. Dans le membre de gauche, il reste 4x. Dans le membre de droite, 42. Ensuite, on divise par 4 de chaque côté. Il nous reste x égale 42 quarts, ce qui va donner 10,5. On a trouvé la solution de notre équation, x égale 10,5. On peut le noter de cette manière, g de 10,5, donc l'image de 10,5 par la fonction g, est égale à 9. Voilà notre résultat, nous avons retrouvé l'antécédent de 9 par cette fonction. On peut évidemment vérifier ça à la calculatrice. On va faire apparaître la calculatrice. Et donc, on réécrit l'expression algébrique de notre fonction en remplaçant x par 10,5. Donc ici, on va multiplier par 10,5, auquel on enlève 5, et on a trouvé le nombre 9. Voilà. Ça permet d'avoir
une vérification de notre travail. Voilà pour cette petite vidéo qui permet de vous montrer un petit peu comment on retrouve l'antécédent d'un nombre par une fonction affine. Cela donne une équation, plus ou moins compliquée à résoudre, normalement assez simple à résoudre. Et ça permet de trouver l'antécédent, et je dis bien l'antécédent, puisque pour une fonction affine, on a vu qu'il n'y avait qu'un seul antécédent. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. Vous avez la playlist ici pour les troisièmes, vous avez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, à bientôt.